Ce soir, on va faire une danse que j'ai déjà faite, mais dans une version 1. Voici maintenant la version 2. La version 1, c'était fait par une partie des clubs ou des clubs de danse de la région de Québec et plus loin. Et maintenant, je vais faire la version 2 qui est faite par une autre partie. Je crois même que c'est cette version-là qui est faite dans ma région ici, Chaudière-Appalaches. Donc, je vais faire cette version-là qui est différente un peu. La première version, c'était une version 4 murs et c'était juste 32 comptes sur chacun des murs et ça allait bien. Ceci est une version un peu plus compliquée. C'est une version un mur, mais avec comme un phrasé. Donc, la phrase, c'est AA, BB et je crois qu'on fait A, BB, A. Et je vais répéter cette phrase-là dans mon YouTube. Et on va regarder qu'est-ce que veut dire A et qu'est-ce que veut dire B. Je vous ai dit, cette danse est composée de parties A et B qui ensemble vont faire une phrase. Et cette phrase-là, on la verra sur mon explication YouTube. Donc, on va regarder c'est quoi la partie A et c'est quoi la partie B. La partie A. Ça serait écourté, ça 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8.
1, 2, 3 et 4 pour faire la partie B. Tout ça vers la fin. Voilà. Voici My First Love à 85% de sa vitesse et des pas. J'ai voulu faire ça pour que les gens puissent s'apprendre à une vitesse plus basse plus facilement. Et après ça, passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire 100%, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc maintenant, dans un premier temps, 85% de la vitesse. Maintenant que vous avez bien appris la danse avec une vitesse inférieure, on va passer à la vitesse supérieure, donc 100% de la vitesse de cette merveilleuse chanson, qui est une chanson d'amour. Donc regardons My First Love, 100% de la vitesse. Dans les salles, probablement, c'est cette vitesse-là, peut-être légèrement inférieure.